Bonjour à tous, on va commencer ce 26e web atelier. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, Laurence. Super. Donc 26e web atelier consacré à un thème qui nous est cher sur les églises, pour que les églises restent ouvertes, vers les usages partagés pour garder ces églises ouvertes avec Monsieur de Sagazan, Benoît de Sagazan, donc vice-président de patrimoine et environnement et également surtout directeur de l'Institut Pèlerin du Patrimoine. Entre autres, je vais peut-être pas faire tout. Oui, aussi rédacteur en chef du Monde de la Bible, etc. En attendant que tout le monde se connecte, vous êtes actuellement 38. Il y a eu beaucoup d'inscriptions. Je ne sais pas si tout le monde réussira à être présent, mais vous êtes plus de 100 à vous être inscrit. Ah, vous avez du mal à m'entendre. Bon, j'espère que tout se passe bien. Je ne peux pas faire plus, je crois. Je vais rapprocher peut-être mon micro. Moi, je les entends très bien, donc je ne pense pas que Bon, cela très soit bien. général. Je pense que c'est Super. souvent une question de débit Internet. Ça dépend s'il faut vous rapprocher de votre Ah. box. Souvent, il faut que la personne se rapproche de sa box, que ce soit Super pour les quelqu'un réponses qui qui me disent que tout va bien. C'est vrai que c'est le genre de souci qu'on craint. Donc, est là. merci pour vos retours. Je vois que certains utilisent l'espace de discussion pour nous dire déjà bonsoir et pour se présenter. Donc, pour les nouveaux, n'hésitez pas à tester l'espace de discussion en bas de votre écran pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, quelle association vous représentez. Donc, nous avons des fidèles, Monsieur Valin, président de l'association Patrimoine et Cadre de Vie de Dourdan, membre de Patrimoine Environnement qui est assez régulier. Donc, merci, bonjour à Monsieur Valin. N'hésitez vraiment pas à vous. Voilà. Il y a aussi l'association de Sensei Patrimoine dans le 71. Il y a aussi de la part de Sainte Anastasie Patrimoine. Bonsoir à tous. Voilà, Monsieur Michel Philbert, Madame Anne-Marie Dufour pour la Commission patrimoine de famille rurale, Laurine Mardini en Moselle. Bonjour, journaliste à Croix du Nord et gérante de la page Facebook Adopte une église. Le concept est sympa, je ne connaissais pas. Je D'accord. connais bien Sophie Oudot. D'accord, adopte une église. Ben franchement, c'est. Oui, d'accord. C'est super. Bruno Barochez de la commission d'art sacré du diocèse d'Orléans. Bonsoir à vous. Les amis du patrimoine rennais avec M. Bigé. La commission diocésaine d'art sacré du Mans. L'association de préservation du patrimoine de Lons dans le 80. Alix Patrimoine dans le Beaujolais. Michel Philbert pour les Amis des Églises anciennes du Béarn. Donc, ravi de vous compter parmi nous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, ce web atelier est organisé par Patrimoine Environnement. On est une association nationale reconnue d'utilité publique. On est également agréé pour la protection de l'environnement. Donc, on agit aussi bien sur la protection du patrimoine bâti que du patrimoine naturel, les paysages, etc. On est une fédération, on regroupe diverses associations de différentes tailles, que ce soit des associations très importantes comme des plus petites associations, des toutes petites. Moi, personnellement, je suis la juriste de l'association, donc si vous avez une question, je répondrai avec plaisir. Je pense que mes collègues ne vont pas hésiter à vous donner mon mail dans l'espace de discussion si vous souhaitez me contacter. N'oubliez pas, en fait, nous sommes une association, donc si vous voulez faire un don, si vous voulez adhérer, on sera ravis. Pareil, vous retrouverez toutes les indications dans l'espace de discussion. On souhaite que les web ateliers restent gratuits et ouverts à tous. Et c'est aussi en partie grâce à vos dons et vos adhésions qu'on réussit à être présent parmi vous et à diffuser tout ce qu'on sait. Et on espère que vous en êtes satisfait. Donc, n'hésitez pas pour donner un peu d'actualité sur l'association, sur les prochains web ateliers. Le prochain aura lieu, alors c'est toujours tous les mardis, hein, c'est toujours le mardi, on a pris ça comme rendez-vous. Ça sera le mardi 7 février et là, ça sera sur l'inventaire du patrimoine. Donc, c'est la région qui a cette charge.
Donc voilà, rendez-vous 7 février, même horaire, 18h, 19h30. Et le prochain, le 28 mars, et là, c'est un rendez-vous des membres où on prendra un thème un peu plus particulier. Et voilà, ça sera réservé aux membres de l'association. Donc vraiment, n'hésitez pas à devenir adhérent parce que ça vous permet également d'avoir des espaces un peu plus intimes pour qu'on puisse parler ensemble de vos problématiques. Donc les inscriptions s'ouvrent 2 semaines avant chaque webinaire et vous pouvez vous inscrire comme vous l'avez sans doute fait, c'est-à-dire sur Elo Asso. D'autres actualités, vous avez les journées du patrimoine de Pays des Moulins en juin, donc là qui vont durer 3 jours, hein, je vous le rappelle. J'ai bien sûr pas la date en tête, mais vous aurez tous les renseignements dans l'espace de discussion. Donc, c'est vers le 25 juin. Et là, les inscriptions sont ouvertes. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent ouvrir leur église, ouvrir un espace de patrimoine qui soit rural ou de patrimoine un petit peu plus connu, ou juste faire connaître des artisans, des savoir-faire, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit et c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas sur le site internet consacré aux journées du patrimoine du Pays et des Moulins, que vous retrouverez également dans l'espace de discussion. Sachez que notre revue est toujours disponible sur notre boutique en ligne. Vous retrouvez d'ailleurs, je crois, un article de M. Tsagazan sur notre dernière revue, donc Regroupement de communes, communes nouvelles, et le patrimoine et la place du patrimoine. Donc, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'on est, voilà, on est 58 actuellement. Je vois que le temps passe, donc je vais donner la parole à Monsieur Tsagazan, Benoît Tsagazan. Donc il va nous parler des usages partagés pour que les églises restent ouvertes. Donc je rappelle vice-président de patrimoine environnement et directeur de l'Institut Pèlerin du patrimoine. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Laurence, merci de me ces paroles. Donc j'ai à peu près une heure, c'est ça, avant que vous c'est ça, vous avez en gros 50 minutes et puis après je poserai les questions qui seront posées par écrit par les participants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Je rappelle les JPPM du 23 au 25 juin 2023. Désolé. Mais on peut passer des pages de pub si vous voulez, vous me dites voilà, que je m'arrête. J'ai fait mon boulot. C'est bien, alors, merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran, mesdames et messieurs. Alors, je suis très heureux de partager tout cela avec vous. Est-ce que cela se voit? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, d'accord. Alors, je suis très heureux et en même temps très intimidé parce que je sais qu'il y a des... Et quand vous m'avez confié la liste des personnes inscrites, j'ai vu qu'il y a des personnes que je connaissais. Et d'autres. Hein. Et j'ai parlé parfois d'initiatives initiées par l'un ou l'autre d'entre eux, ou l'une ou l'autre d'entre vous. Donc, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises sans vous me corrigerez si on est. Alors, donc je suis Benoît de Tsagazan. Donc, comme dit Laurence, je suis vice-président de Patrimoine Environnement. Patrimoine Environnement a longtemps travaillé sur les églises. On a organisé avec le bâtonnier Alain de la Bretèche pendant de nombreuses années, des ateliers en région. À l'époque, on se déplaçait, ce n'était pas virtuel. On a fait des ateliers à Lille, à Besançon, dont je me souviens particulièrement. C'est un travail qu'il y avait eu des journées juridiques du patrimoine, consacrées aussi à l'avenir du patrimoine religieux. Je crois que c'était en 2007, au moment où la crise se prononçait assez, en termes assez, assez durs. Et Monseigneur d'Agence, d'ailleurs, était venu participer à ces journées juridiques du patrimoine. Donc moi, je suis journaliste au groupe Bayard. J'étais pendant très longtemps journaliste à Pèlerin. C'est là où j'ai appris le virus du patrimoine et du patrimoine religieux parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. Et je fais partie de ces journalistes qui dénonçaient quand on détruisait des églises. Et au bout d'un moment, je me suis dit, dénoncer, c'est bien, mais quelles seraient les solutions qui garantiraient un avenir à ce patrimoine religieux? Donc c'est de cela, en fait, dont je vais vous parler. Alors derrière moi, avant que vous me posiez la question, j'ai une belle verrière, c'est une verrière du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est une façon pour moi, avec un mauvais jeu de mots, de me mettre au vert et de vous parler calmement, en espérant que cette abbaye m'inspire. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu ce que j'ai présenté devant les sénateurs lorsque j'étais auditionné
dans le cadre de leur rapport d'information sur l'avenir du patrimoine religieux. J'ai eu l'occasion de présenter aussi cela devant l'Assemblée des départements de France et puis devant plusieurs commissions diocésaines d'art sacré qui me l'ont demandé. Donc, écoutez, je vous le partage tout de suite. J'aime toujours commencer par ces premières images. Ces premières images nous montrent des intérieurs d'église que nous n'avons plus l'habitude de voir. C'est aujourd'hui notre vision de l'église est habitée par une présence, ou parfois par une omniprésence de chaises et de bancs en très grand nombre, qui font qu'on n'a plus l'idée de ces grandes nefs vides. Ces images que je vous montre sont du XVIIe et XVIIIe siècle, donc avant que les églises se peuplent de bancs et de chaises. Et donc on est après la réforme du Concile de Trente. Hein, donc et ce qui est intéressant, c'était de les observer. Alors, celle que j'aime particulièrement, c'est celle d'Anvers au XVIIe siècle, parce qu'elle nous montre. Que nous montre-t-elle? Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe à l'écran. Vous voyez plusieurs groupes humains de personnes qui discutent entre elles, donc qui font du bruit. Vous devez voir un chien courir près du A de Anvers. Il y a un chien qui court. Au milieu, il y a des enfants qui jouent par terre. Au fond, vous avez la célébration d'un baptême. Et à gauche, sur un banc, on distingue à peu près une femme qui se confesse auprès d'un prêtre. Et puis, on voit un peu partout, on voit un mendiant au bord d'une colonne. Les mendiants sont dans l'église à cette époque-là. C'est confirmé d'ailleurs un peu partout hein, dans cette image de Rome au XVIIIe siècle, c'est la basilique Saint-Paul. On voit à peu près la même scène, des groupes qui discutent un peu partout, des chiens qui courent, donc qui font du bruit, j'imagine. Et puis l'église Notre-Dame de Paris en 1789, donc à la veille de la Révolution, ben on voit à peu près la même chose. Des groupes qui discutent un peu partout, des mendiants qui se tiennent au pied des colonnes, des chiens qui courent. Et tout. Donc on imagine une certaine vitalité et finalement assez de bruit dans ces églises, mais une sociabilité évidente que nous avons perdue pour plusieurs raisons. C'est parce que, après la Révolution française, la doctrine était plutôt de demander aux fidèles de converger vers un seul point qui était l'autel. On a voulu canaliser cette fougue et cette vie et cette vie sociale. Et donc, nos temples sont un peu plus sacralisés. Enfin, nos temples, nos églises, c'est lapsus, sont devenus un petit peu comme des temples. Et non plus comme des lieux d'assemblée, des lieux de rassemblement. Donc, gardons ces églises, parce que ces images d'églises, parce qu'elles elles ont participé de l'histoire de nos églises et de la vie de nos églises. Voilà. Alors, quelques chiffres pour replanter le décor. 42 258 églises et chapelles affectées au culte. Alors, je m'intéresserai essentiellement et quasiment uniquement aux églises affectées au culte. C'est celle-là qui m'intéresse. 42 258 églises et chapelles affectées au culte et donc 43 000, donc vous voyez, l'immense majorité, qui sont donc de propriété communale. Moins de 2000 appartiennent au diocèse. Autre chiffre qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a 35 000 associations dédiées au patrimoine. Alors, beaucoup d'associations locales, d'associations culturelles, mais aussi, ça comprend aussi, il faut le dire pour être honnête, aussi des bibliothèques, bibliothèques de quartier, des bibliothèques voilà. Ces églises, je parle surtout d'églises communales, obéissent à des règles de loi. Donc, les lois qui régentent nos églises, c'est la loi du 9 décembre 1905, c'est la loi du 2 janvier 1907, qui corrige certains éléments de la loi de 1905, c'est le Code du patrimoine, et c'est aussi, depuis 2006, l'article L21-24-31 du Code général de propriété des personnes publiques. Alors, qu'apprend-on de ces différentes de lois? C'est d'abord que l'affectation est légale, donc elle est soumise à la loi, est protégée par la loi, qu'elle est gratuite, donc l'Église catholique ne paye pas de loyer pour occuper les églises communales, elle est exclusive,
Donc, elle lui appartient seule et elle est perpétuelle, donc elle ne saurait être remise en cause. Cette affectation ne cesse, dit la loi, qu'en cas de désaffectation. La désaffectation, c'est le terme juridique approprié. Quand une église cesse d'être un lieu cultuel, le terme religieux, c'est, certains disent désacralisé, mais la désacralisation du lieu intervient au moment d'une cérémonie d'exécration. Voilà. L'affectataire a la jouissance de l'église pour la célébration du culte. Donc, non, il n'est pas censé y faire autre chose, dit la loi. Mais en même temps, la loi ne définit pas ce qu'est le culte. Donc, c'est l'affectataire qui est propriétaire du terme du mot culte. Les églises construites avant 1905, donc avant cette loi de séparation des églises et de l'État, sont de propriété communale, à quelques exceptions. Tout dépend sur quel terrain elles étaient bâties. Il y a certaines églises qui sont antérieures à 1905 qui étaient de propriété diocésaine parce que le terrain avait fait l'objet d'un legs. Et je pense à l'église, par exemple, qui avait beaucoup parlé d'elle à une époque, c'est l'église de Limbre, qui est une église de l'architecte Grigny, construite au XIXe siècle, et elle qui était propriété diocésaine. Que ces églises, nous dit la jurisprudence, et c'est là où intervient le Code général de la propriété des personnes publiques en 2006, nous dit que ces églises en dehors du peuvent être ouvertes aussi à d'autres usages compatibles avec l'affectation cultuelle. En même temps, ils ne sont pas nommés. C'est la jurisprudence qui nous montre finalement ce qui est possible ou pas. Le curseur est, simplement, c'est ce que accepte ou non l'affectataire. Donc, c'est l'affectataire qui est juge de la compatibilité des activités avec le culte. Et ça, c'est un élément qui est déterminant à comprendre et à percevoir. Puisque on nous dit souvent, c'est les usages partagés, c'est transformer nos églises en salles polyvalentes. Non. Il y a des usages qui sont jugés par l'affectataire compatibles avec le culte et d'autres non. Alors, le jeu pour moi, pour l'instant, ça avait été, et c'était le résultat d'une enquête, c'est voir quelles sont ces compatibilités. D'abord, travailler sur ces usages partagés me parut important parce qu'il permettait de répondre à un certain nombre de questions. La première, c'est est-ce que nous avons trop d'églises? Alors, c'est vrai qu'il y a un sophisme qui nous est souvent posé, c'est moins de prêtres plus baisse de la pratique religieuse égalerait trop d'églises. Donc, c'est un peu le discours de Roselyne Bachelot aussi, quelque part, qu'on a entendu récemment, qui nous disait qu'il fallait se résoudre à raser certaines églises, notamment celles qu'elle juge, elle, mais elle n'est pas la seule au ministère de la rue de Valois, au ministère de la Culture. Et j'ai entendu plusieurs fois des architectes des monuments historiques me dire qu'il y avait des églises sans intérêt. Quoi. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'église laide et insignifiante tant qu'il y a des gens pour les aimer. Nos églises seraient très coûteuses en entretien. Ce à quoi il faut notamment répondre, que nos églises sont coûteuses parce qu'on ne les entretient pas généralement. Et que souvent, les coûts de restauration assez pharaoniques qu'on nous présente, à coût de millions d'euros, sont souvent le résultat de plusieurs décennies d'incurie. Une tuile qui n'a pas été changée. Je me souviens dans la Meurthe et Moselle, c'était au moment du colloque de 2018, on avait visité une petite église rurale et le maire disait que ça avait été pesant pour la commune de restaurer l'église. Il y a eu pour plus de 600 000 euros à peu près de restauration. Et l'architecte des bâtiments de France lui avait justement répondu à ce moment-là, mais 600 000 euros, si vous regardez que votre église depuis sa construction n'a jamais été entretenue quasiment, donc ça fait 70 ans, si vous divisez les 600 000 euros par 70 ans, finalement, ce n'est pas un coût si énorme que ça. La question est, comment entretenons-nous nos églises? Et là, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme et qu'on change de travail, qu'on imite, qu'on prenne les bons exemples qui existent chez nos voisins, qui ont été importés en France dans le département des Yvelines, notamment, qui est la mutualisation de l'entretien. Donc, ça se passe à l'échelle départementale. Et là, il y a une cagnotte qui permet aux communes rurales, notamment, et les plus pauvres, notamment, de recevoir un diagnostic et un carnet d'entretien qui leur permet d'étaler les dépenses, le département, bien sûr, abondant et permettant et rendant possible ces restaurations.
Et la question finale est, et c'est celle-là qui nous intéresse ce soir, c'est savons-nous faire vivre nos églises? Parce qu'une église qui vit et qui redevient un des poumons d'une commune ou d'un quartier est une église dont on ne posera jamais la question d'entretien, parce qu'elle sera, elle sera accueillante, elle sera utile au plus grand nombre, et elle fera, et voilà. Et un bâtiment qui vit et un bâtiment qui ne pose pas de problème, n'importe quel monument historique est un bâtiment qui a une fonction. Donc, ce qui coûte à nos églises souvent, c'est qu'elles sont sous-utilisées. On sait pourquoi, parce que la raréfaction des cultes, donc ces églises sont souvent moins utilisées, elles sont trop longtemps fermées. Donc, une église fermée, c'est une église dont on ne peut plus assurer l'entretien et on ne sait même plus où sont les fuites, on ne les voit même plus apparaître. Donc, la question essentielle pour notre époque, il me semble, c'est qu'on n'aura jamais trop d'églises et elles ne seront pas trop coûteuses si nous savons les faire vivre. Alors, j'ai regardé un peu ce qui se pratiquait un peu partout, surtout en France. Il y a quelques exemples étrangers, mais très peu. Et j'ai trouvé que ces églises avaient des usages. Alors, je parle d'usage partagé parce que c'était le langage courant, mais je sais que dans certains évêques tiquent un peu en m'entendant. Ils préfèrent parler d'usage compatible avec le culte. Mais on parle de la même chose, au fond. Hein. Je ne fais pas de différence. Bien sûr, je l'ai dit dans mon préambule tout à l'heure. La loi, d'ailleurs, nous impose que l'église puisse être ouverte uniquement pour des usages compatibles avec le culte. Et là, c'est l'affectataire qui a le mot là-dessus. Alors, les usages que j'ai rencontrés sont des usages spirituels, des usages mémoriels, des usages éducatifs, des usages culturels, que tout le monde connaît bien, des usages touristiques, des usages sociaux, des usages caritatifs, pardonnez-moi la coquille, et puis des usages urgentistes. Alors, les usages spirituels, ce n'est pas parce que la participation aux liturgies et aux sacrements diminue que la soif spirituelle de nos concitoyens est pour autant éteinte. On parle souvent du nombre de pratiquants qui est en baisse dans l'Église, mais on oublie toujours de dire que le nombre de non-pratiquants qui fréquentent nos églises est, lui, en constante augmentation. Je sais que dans le Pas-de-Calais, je ne sais pas s'il y a des représentants du Pas-de-Calais ici, il y a deux exemples qui sont testés en ce moment de compteurs d'église pour savoir finalement qui sont ces personnes qui entrent dans l'église, bien sûr, quand elle est ouverte. Il y a un indicateur que j'aime bien observer et que je demande toujours ça aux associations que j'accompagne ou aux réseaux que j'accompagne, c'est quel est l'usage du livre d'or qui est déposé dans l'église. Et là, on s'aperçoit qu'il est souvent rempli où il se remplit de façon quasiment invisible. Donc, de même que la société française a ses invisibles dans les travailleurs pauvres ou qu'on voit peu, l'église, le bâtiment, a aussi ses paroissiens ou ses adeptes invisibles qu'on ne voit pas aux cérémonies. Et il faut qu'on arrête de juger de l'utilité d'une église uniquement par rapport au nombre de catholiques pratiquants qui la fréquentent. Je me souviens d'un archevêque qui confiait récemment qu'il était frappé par le nombre de personnes, de catéchumènes, qui dans leurs lettres de catéchuména, donc, qui font leur demande de baptême, tous disent qu'ils ont eu une expérience à un moment de leur vie dans une église. Donc, et ils n'étaient pas dans l'église avant de demander leur baptême. Donc, ce sont des personnes qui vivent des émotions, qui vivent des expériences mystiques, ou qui vivent des choses paisibles. Dans les églises, c'est un lieu gratuit qui transcende et qui a besoin d'être ouvert, voilà, en dehors du culte liturgique et sacramentel. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que le culte liturgique et sacramentel ne suffit plus à faire vivre nos églises. Et on a vécu pendant 200 ans, les 200 dernières années, avec cette idée-là qu'il pouvait suffire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les églises ont des usages compatibles qui sont mémoriels. Alors, ils ont été dans l'histoire. Beaucoup de nos églises ont des monuments aux morts hérités de la guerre de 14, voilà, on honorait les paroissiens morts sur le front. Donc là, je vous présente le monument mort de l'église Saint-Pierre de Préchac, une église que j'aime beaucoup, qui n'est pas très loin de chez moi, en Gironde. Vous avez des exemples plus étonnants ou plus insolites, et par exemple l'église Saint-Ruf à Avignon, qui a repris un modèle qui est beaucoup plus fréquent, notamment au Canada. Je l'ai vu aussi en Belgique,
qui donc, cette chapelle à la Vierge, vous voyez, derrière la Vierge, derrière le rideau bleu que vous avez devant vous, il y a une armoire forte qui contient les urnes des défunts. Donc, la paroisse Saint-Ruf offre à toute famille du quartier, j'imagine, la paroisse du quartier, de pouvoir déposer et de trouver un lieu de recueillement pour accompagner, pour faire son deuil, simplement dans le temps. Tout à fait à droite, vous avez la chapelle du souvenir. C'est l'église Saint-Ambroise à Paris. C'est l'église qui est la plus proche du Bataclan. Et donc, c'est l'église où on a inscrit le panneau que vous devinez devant les personnes. C'est toutes les victimes du Bataclan. Et cette chapelle est assez fréquentée par toutes les personnes qui ont vécu quelque chose de difficile au Bataclan en 2015 ou des proches des défunts. Et là, on leur offre gratuitement un espace de recueillement, quelle que soit leur religion, parce que ces personnes de toute façon, ne sont pas chrétiennes. Mais cette chapelle du souvenir au Bataclan existe. Donc cette fonction mémorielle, on pourrait tisser le fil beaucoup plus large. Est-ce qu'il ne faut pas créer, quand ça s'y prête, une chapelle des défunts, hein, ou un lieu de recueillement pour tous les défunts de la ville, du quartier, du village, du canton, voilà. L'aspect mémoriel est un aspect assez développé en usage. Je sais que Nanou Bouillet s'était inscrite au Web Atelier, donc je ne sais pas si elle nous regarde ce soir, mais en tout cas, je suis très intimidée de parler devant elle, car c'est elle qui est à l'initiative de cette initiative que l'on voit sur cette image de gauche. Vous avez à gauche les jeunes ambassadeurs du patrimoine. C'est une initiative créée donc, je disais, par Nanou Bouillet, qui est donc historienne de l'art, qui, vous voyez, dans sa commune, des jeunes à la fois désœuvrés et une église un peu fermée qui manquait de vie. Donc là, on est dans le monde rural, mais dans le bassin minier, où des jeunes n'ont pas beaucoup d'avenir. Parents au chômage, parfois grands-parents au chômage. Enfin, des jeunes désœuvrés. Puis elle a eu cette idée de génie de leur faire visiter l'église, et deux, de leur dire, mais pourquoi demain, ce ne serait pas vous qui la feriez visiter? Donc ces jeunes... on la charge à la fois de l'entretien d'église et à la fois de la faire visiter. Ils la font visiter donc tous les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires. La gratification pour eux, c'est notamment de pouvoir en toucher le pourboire que l'on donne généralement aux guides. Mais ces jeunes ont acquis, à la fois grâce à cette expérience, un savoir-être et un savoir aussi culturel, lié donc à l'histoire de l'architecture et à l'histoire de l'art sacré. Un savoir qui est reconnu par le collège départemental de Dun-sur-Meuse, donc la petite ville à côté, et ces jeunes peuvent faire valoir leurs acquis par une sorte d'unité de reconnaissance lors du brevet des collèges. Donc, ces églises peuvent participer à l'éducation artistique et au développement de notre jeunesse. Cette expérience dure depuis 2005, donc depuis plus de 15 ans. Donc, on est à plusieurs générations de guides maintenant, de jeunes ambassadeurs du patrimoine, et Nanou Bouillet m'a témoigné notamment de son émerveillement de voir certains d'entre eux entreprendre des études supérieures, parce qu'ils prennent confiance en eux, parce qu'ils se développent. Ils prennent confiance en eux, et l'avenir n'est plus aussi bouché pour eux qu'il ne pouvait leur apparaître lorsqu'ils étaient assis sur les marches de l'église sans y rentrer. L'image de droite dit à peu près la même chose. Vous avez en face de vous un orgue, c'est l'orgue de l'église de Trélazé. Alors, c'est une église diocésaine, mais l'orgue a été acheté par la commune et donné à et fourni à l'église. Bien sûr, il y a eu des grosses polémiques à ce moment-là, parce que l'association de Libre-Pensée dénonçait ce qu'elle appelait une subvention déguisée au culte, et le Conseil d'État a tranché en 2011 sur l'orgue de Trélazé, en disant qu'il ne s'agit pas d'un financement du culte, mais du financement d'un instrument de musique, car cet instrument de musique, bien sûr, sert au culte, mais en plus sert aussi à l'école intercommunale de musique, et il sert aussi pour des concerts. Donc c'est un investissement collectif. Et donc cet orgue d'église sert à tous, à l'école de musique, et l'éducation artistique d'adultes et de jeunes, de l'intercommunalité. Alors,
Image suivante. Alors, l'activité culturelle, je n'ai pas trop insisté dessus. Vous la connaissez, c'est tous les concerts que nous avons dans nos églises. C'est quelque chose qui est donc beaucoup plus habituel dans le paysage. L'image de gauche, notamment, est intéressante. Parce que là, nous sommes dans l'église Notre-Dame de la Gloriette. Alors, je sais qu'il y a des représentants du Calvados qui m'écoutent là. Et cette église donc, est aussi une scène du théâtre de Caen. Je ne sais pas si c'est un théâtre national. Enfin, le théâtre de Caen a aussi une maîtrise. Et donc, c'est le lieu où la maîtrise répète et produit aussi ses concerts. Mais le dimanche, alors toutes les églises dont je vous parle sont des églises ouvertes au culte, hein, donc affectées ou pas ouvertes, affectées au culte. Non. Donc c'est l'église Notre-Dame de la Gloriette, elle est aussi affectée au culte et elle sert de scène pour notamment la maîtrise et les concerts organisés dans la programmation du théâtre de Caen. Bon, à droite, c'est une église de la Manche, voilà, lors du festival Via Eterna, voilà, un concert. Je ne vais pas là. Là, nous sommes dans un cas très intéressant de l'église Saint-Hilaire. Donc là, on est plutôt dans un usage partagé ou compatible avec le culte, mais dédié au tourisme. Cette église Saint-Hilaire, donc à Mortagne-sur-Sèvre, possède trois églises, et celle-ci, Saint-Hilaire, devait être démolie parce que jugée menacée, état de péril et tout ça. Une mobilisation des réseaux du patrimoine a fait beaucoup de bruit. A empêché sa démolition parce que lorsque la mairie, donc, qui avait pourtant consulté la population était d'accord pour la démolir, avait demandé à l'évêque de la désaffecter. Et je tombe dans le piège de la démo. Dans la désaffecter, l'évêque, à ce moment-là, vu la pression et l'émotion publique, a renoncé. Donc, il a fallu que la mairie de Mortagne-sur-Sèvre revoie sa copie. Et là est née l'idée, puisque l'église avait de très très beaux vitraux qui racontaient l'histoire de la guerre de Vendée, de faire un centre d'interprétation du vitrail. Et donc, une convention est née. Ça va être le mot, la clé de tout, ça va être la convention. Une convention est signée avec le diocèse de Luçon. Et donc, c'est quelque chose d'assez très, très original en France. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs à l'étranger. C'est que cette convention définit que l'église Saint-Hilaire est centre d'interprétation du vitrail du 1er avril jusqu'au 31 octobre. Et du 1er novembre au 31 mars, elle redevient église paroissiale. D'ailleurs, vous remarquerez les bancs dans l'image qui est tout en bas. Vous voyez que les bancs sont inclinables. Ces bancs, vous les retrouvez au centre de l'église. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, les bancs là. Là, vous voyez que les bancs sont orientés façon église paroissiale. Donc, ils sont, le dossier est tourné vers le chœur et vers l'autel. Pendant la période muséale, les dossiers sont mis dans l'autre sens. Et on regarde les ancêtres de Notre-Dame qui sont posés juste à côté. Donc, c'est un jeu de banque qui vous définit le statut de l'Église. Alors, bien sûr, comme l'Église est une Église paroissiale et affectée au culte, le musée n'est pas payant. Il est gratuit, mais le maire est ravi d'abord parce qu'il a un équipement qui fait venir du monde à la fois dans son Église et dans sa commune, donc ça profite aussi aux... Là, une idée intelligente, voilà, d'un partage touristique d'un bâtiment qui reste affecté au culte. Ah, ce n'est pas la bonne diapositive que j'avais prévue. Ben non, si. Ce n'est pas grave. J'avais renouvelé mon diaporama, mais voilà, je tombe sur un ancien. Ce n'est pas très, très grave. L'accueil des pèlerins et des randonneurs, c'est une chose qui se pratique de plus en plus dans des églises. Alors, la grande photo, c'est, justement, je voulais la supprimer pour montrer que des exemples français. Ce qu'on appelle les Anglais appellent le church camping, donc le camping. Donc, c'est la possibilité offerte pendant une nuit dans une église, alors j'ai plutôt une église historique, afin de permettre sa restauration, parce que les nuitées sont payantes chez eux, de vivre l'expérience d'une nuit dans une église. Voilà. L'image de droite est plus intéressante. Là, on nous montre une chapelle transformée en gîte pour abri pour pèlerins. Donc, voilà, donc il y a une mezzanine qui est au-dessus, qui est en ancienne tribune de l'orgue, j'imagine. Qui est relié, qui est aménagé en chambre, en dortoir. Il y a une table pour les repas et puis l'oratoire qui est toujours en fonction pour les pèlerins qui désiraient bon, prier avant de prendre le chemin. Et la sacristie a été transformée, comme on le voit, en salle de bain. Alors, j'ai parlé d'usage
touristique, d'usage éducatif, d'usage mémoriel, et là j'ai parlé d'usage sociaux. Je pense qu'il y a Virginie Valtier qui était inscrite et qui était donc CAU de Meurthe-et-Moselle. Elle reconnaîtra cette photo parce que je l'ai prise au moment du colloque de 2018. Et là, c'est une réunion publique dans une des églises de Meurthe-et-Moselle sur l'avenir des églises. Donc, c'est une réunion civile et profane, voilà, mais qui a lieu dans l'église pour parler. Donc là, on réunit la population, on réunit les invités et puis on discute de sujets importants pour le bien de tous. La photo d'à côté est une photo intéressante. Alors celle-là, je l'ai prise, elle n'existe pas en France, mais je sais qu'il y a des paroisses qui sont intéressées en France et des communes qui sont intéressées en France. C'est ce que les Belges, nos voisins belges, appellent le Church Campus. Je vais peut-être un petit peu vite, en fait. Je m'en parle de l'heure. Oui, je vais un petit peu vite. Le Church Campus. Donc, c'est la possibilité. Donc, ça se passe entre le mois d'avril et le mois de juin. Pendant le mois d'avril et le mois de juin. Et les collégiens, les lycéens et les étudiants ont la possibilité pendant cela de réviser leurs examens ou leurs brevets ou leurs bacs dans l'église, dans laquelle, bien sûr, on a aménagé au milieu de bancs des tables et des chaises. Alors, bien sûr, ils ont une charte hein, et qu'ils doivent respecter de silence, notamment, mais le lieu s'y prête et les candidats qui viennent réviser le souhaitent aussi. Ça permet d'échapper aux maisons familiales où les petits frères et les petites sœurs peuvent embêter les révisions. Ça permet aux étudiants, aux collégiens et lycéens du monde rural de ne pas avoir des milliers de kilomètres, des dizaines de kilomètres pour rejoindre une bibliothèque, soit universitaire, soit municipale ou autre. Et puis, ça permet aux étudiants, ou à certains étudiants aussi, de réviser au vert près de chez eux, voilà, près du monde. Ces églises affectées au culte, et c'est très amusant parce que cet exemple belge, la règle notamment, c'est de créer, donc ils créent un groupe WhatsApp pendant leur blocus, et le groupe WhatsApp leur permet de savoir, on leur dit, vous ne pourrez pas venir à l'église de 10h à midi parce qu'il y aura les obsèques à ce moment-là, donc ils savent que pendant 2 heures, ils n'auront pas accès à l'église, mais ils pourront y revenir. Dans certaines églises, j'ai écouté des témoignages qu'on peut trouver sur Internet, notamment, qui sont intéressants. Pour certains jeunes, c'est leur première expérience d'église, d'ailleurs, de vie dans une église. Et c'est amusant, les témoignages qui en sortent, qui sont intéressants. Et puis, ça rend un vrai service à la société. Ces églises sont ouvertes, généralement, parfois, depuis 7h ou 8h le matin, et parfois, se ferment, notamment le samedi, à 2h. Pas pour faire de la fête, hein, pour réviser. C'est vraiment très, très sérieux. Voilà des services à la population. Alors, toujours autre service à la population, là aussi, on a un cas de figure particulier, si on peut dire. C'est l'église Saint-Vincent à la Tour Landry, dans le Maine-et-Loire, dans le diocèse d'Angers. L'église a brûlé, donc c'était, je crois, dans les années 2012. Il ne restait plus que le clocher et les murs. Il n'y avait plus rien d'autre. Tout le reste avait été ravagé par les flammes. Et s'est posé, bien sûr, la question pour la municipalité. Est-ce qu'il faut reconstruire l'église? Est-ce qu'il faut la garder? Est-ce qu'on la garde pour une dizaine de catholiques pratiquants qui la fréquentent et puis pour quelques obsèques dans l'année? Ou pas? Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux investir l'argent ailleurs? Donc, bien sûr, la décision, vous en rendez compte, bien sûr, quand par ces photos a été prise de la garder, mais la mairie n'a pas voulu la garder à tout prix. Donc, elle a signé une convention avec le diocèse d'Angers pour savoir si cette église pouvait être aussi servir les besoins de la population. Alors, vous avez une construction, donc, en guise de toiture, vous avez cette construction en arche de vaisseau renversée. Et on a construit, vous voyez, tout au fond, une vaste tribune. Permet de,
de maintenir la capacité d'accueil de l'Église, qui était assez considérable avant. Et sous cette tribune ont été créées deux salles. Mais nous sommes toujours canoniquement sur la surface de l'Église, quoi, sur la surface consacrée de l'Église. Et l'une de ces salles sert de médiathèque municipale, et l'autre, en face, de l'autre côté de l'entrée, sert de salle de réunion qui est partagée à la fois pour les besoins de la paroisse et les besoins de la commune. Voilà. Et l'église, bien sûr, est ouverte à des concerts. Donc, il y a une négociation avec pour que ces activités soient jugées compatibles avec le culte. D'ailleurs, vous avez des petites fenêtres, m'a-t-on dit. Alors, je ne les ai pas vues, mais vous avez des fenêtres qui permettent. Je ne les vois pas là. Alors, je ne vais peut-être pas dire ce que je ne suis pas sûr de vérifier. Donc, voilà, là, vous avez on est dans un partage de l'espace. C'est ça qui est étonnant, quoi. Un partage de l'espace parce que ces deux salles n'existaient pas auparavant, qu'on les a créées, voilà, pour que l'Église rende aussi un service, à la fois par la salle de réunion, comme lieu de concert éventuellement, et comme médiathèque, car la commune avait besoin d'une médiathèque. Alors, nos églises peuvent rendre service auprès des plus démunis. Donc, c'est un peu l'aspect caritatif. Quand on pense au nombre d'églises qui s'appellent Saint-Martin, on peut imaginer que le saint le plus populaire, et je crois que c'est un des patronymes les plus courants pour nos églises. C'est une dédicace la plus courante pour nos églises. Saint-Martin, donc patron des Gaules, apôtre de la charité, donc l'exercice de la charité dans nos églises à droitité. Donc, service aux plus démunis. Alors, ça, c'est des initiatives qui existent à Lyon, donc elles sont plutôt urbaines, celles-ci. Dans l'image en bas à droite, nous sommes à Saint-Camille-de-Vèze, à Lyon, où une grande partie de la nef est occupée par une épicerie solidaire. Donc, épicerie gratuite ou à faible coût pour les personnes les plus démunies. Et cette église étant confiée à une communauté, je crois que je ne sais plus si elle est grecque, enfin elle est orthodoxe en tout cas, ou grecque catholique, ou grecque, ou ignate, je ne sais plus, la communauté qui est un petit nombre a néanmoins accès au chœur, et le chœur reste à l'usage liturgique pour cette communauté-là. Les deux autres photos que vous avez au centre et sur la gauche nous mènent à l'église Saint-André à Lyon. Ces églises ont été créées pendant le confinement. Le premier confinement, on a beaucoup parlé du désespoir des étudiants, leur isolement, le fait qu'ils ne puissent plus travailler, donc plus subvenir parfois certains leurs besoins élémentaires, notamment se nourrir. En fait, que dans cette église, un groupe de jeunes a créé ce centre d'accueil pour les étudiants. Donc, vous avez ce petit panneau qui est l'entrée de l'accueil, vous montre que si vous êtes étudiant, vous êtes accueilli. Vous pouvez discuter. Là, ça nous rappelle un peu les images qu'on a vues au tout début de l'exposé. Il y a un espace de discussion. On peut vous aider à écrire une lettre. Vous pouvez recevoir un colis si vous avez besoin. Et puis, vous avez dans la crypte une épicerie, donc une épicerie solidaire qui vous est destinée. Donc voilà un exemple de service aux plus démunis. Excusez-moi, c'est ma diapositive qui a un petit problème. Je ne sais pas pourquoi il y a du son comme ça qui est. Je vais couper le son. On n'entend pas le son. Enfin, moi, je ne l'entends pas. Vous ne l'entendez pas ? Non. Oui, voilà. Enfin, moi, j'entends là. Voilà. Nos églises aussi peuvent servir et avoir une utilité sociale, caritative, on pourrait dire aussi, au moment des grands incidents, des grandes catastrophes. Les exemples que je vous montre, c'est d'abord à gauche
C'était en 2019, je crois, ou 2020, lorsque la ville de Roya a été frappée par la tempête Alex. L'église, pour les besoins d'urgence de la population, a été transformée là, donc, en épicerie solidaire pour faire face après la tempête, comme premier secours à la population. En Ouagou, c'était l'été dernier, donc en 2022, pendant le canicule, le diocèse d'Angers a décidé d'ouvrir un certain nombre d'églises comme refuge de fraîcheur. Voilà, une action d'accueil, une dimension d'accueil, des bouteilles offertes, enfin bref, toute une dimension là d'accueil, voilà, partant de canicule, parce que ces églises étaient plus fraîches que le reste des endroits. Et en bas à droite, c'est un exemple que j'ai vécu moi dans ma Gironde, dans ma forêt girondine, qui a pris feu cet été, de façon, enfin, c'est un méga feu. Là, nous avions des pompiers qui venaient de toute la France et de toute l'Europe, et là, il y a trois églises d'un canton à côté de mon domicile. Bah, qui ont servi de dortoir pour les pompiers. Donc, les pompiers, là, vous voyez dans l'image au fond, vous avez des lits de camp disposés dans la nef. Voilà, ces trois églises ont servi donc, de dortoir pour les pompiers. Donc, pendant une semaine, une petite semaine. Donc, fonction urgentiste. Voilà. Alors, tous ces exemples que je vous ai montrés n'ont été possibles que parce que, il y a une méthodologie qui était nécessaire pour qu'elle soit possible. En tout premier lieu, il y a deux choses à entreprendre et à prendre en compte. C'est analyser que certains appellent, les architectes appellent ça le génie du lieu. Moi, j'appelle ça le charisme de l'église. Chaque église est particulière et chacune s'adapte ou peut accueillir des usages que celle d'à côté ne pourrait pas faire, par exemple. On l'a vu dans tous les exemples. Voilà. Certaines églises sont catastrophiques pour des concerts. Certaines églises ne peuvent pas avoir de lieu isolé qui permette une activité annexe, de s'isoler dans une chapelle latérale. Voilà. Certaines églises ne pourront jamais accueillir de pèlerins pour dormir, par exemple, ou de visiteurs du soir. Certaines églises ne peuvent pas offrir un espace pour une médiathèque ou une salle de réunion annexe. Et d'autres, certaines, peut-être mettre des tables et des chaises dans un coin de l'église n'est peut-être pas possible pour accueillir des étudiants, des collégiens, voilà, ou autres. Donc, il faut analyser le génie du lieu ou le charisme de l'Église, le prendre en compte. La seconde chose, c'est analyser aussi les besoins de la population, parce que un usage partagé utile, c'est rendre service à la population. C'est ce qu'on appelle le service du bien commun. Le service du bien commun, pour moi, c'est le service du prochain. Donc, bien analyser ce qui rend service et dont la population a besoin. Ensuite, il faut que les acteurs soient réunis. Excusez-moi. Voilà. Que les acteurs soient réunis. Dans les acteurs, il y a bien sûr l'affectataire en premier lieu, parce que c'est lui qui a la jouissance, on l'a vu tout à l'heure ce que les textes le disent, la jouissance totale de l'édifice. Deux, il faut que le propriétaire soit au courant, donc soit d'accord. Et ensuite, troisième élément, pour que le projet marche aussi, fonctionne, il faut que la population soit informée. Car. L'église Saint-Hilaire, par exemple, à Mortagne-sur-Sèvre, quand je fais partie aussi du jury du prix Sésame de la Fondation du patrimoine, et quand nous avons auditionné des exemples pour construire ce prix, donner ce prix, il nous l'a bien dit, informer la population, parce qu'un changement ou même un usage nouveau dans une église, même si elle reste affectée au culte, a besoin d'une information régulière et constante de la population. On ne change pas un fonctionnement de vivre dans une église pour plusieurs raisons. Vous avez des personnes de la population qui sont un petit peu aussi, pour certains, qui peuvent être les gardiens du temple, qui ont une image de l'église comme un temple. L'église, ce n'est pas sa fonction d'être un temple. C'est ce qui distingue d'ailleurs une église chrétienne d'un temple païen ou même du temple judéen de Jérusalem que Jésus a aboli.
Une église, c'est le lieu de l'assemblée. C'est Dieu qui est au milieu des hommes quand les hommes se réunissent. Alors que le temple païen, c'est Dieu qui est enfermé dans son naos, qu'on appelle le naos, et qui est son lieu de vie, auquel n'a accès qu'un clergé, les prêtres païens ou les prêtres du temple de Jérusalem. Et ce Dieu, les populations n'ont accès éventuellement au Dieu que lorsque le Dieu sort de son naos pour le rencontrer. Dans la fonction chrétienne, on n'est pas du tout dans cette idée de temple. On est dans l'idée de lieu de l'assemblée, l'ecclésia. C'est le mot ecclésia qui a donné son nom au mot église. Et d'ailleurs, les premières églises, les grandes églises qu'on a connues dès le IVe siècle, le modèle qui était choisi, ce n'est pas le temple païen d'à côté, ça a été la basilique. La basilique, c'était un lieu profane, qui était donc le lieu du roi ou du prince, où se rendait la justice, où pouvaient se passer des transactions commerciales. Enfin, c'était un lieu civil de rassemblement, où on rassemblait la population. Donc, tout changement du... Alors, et puis, à contrario, vous pouvez faire un autre style d'hostilité, c'est les personnes qui ne veulent pas mettre les pieds à l'église, en disant que c'est un lieu, voilà, parce qu'ils seraient athées ou parce qu'ils seraient militants... une cause de la libre pensée ou je ne sais pas quoi, eux aussi, il faut déminer les craintes comme ça, dire que tout le monde est accueilli et on ne rentre pas dans une église uniquement pour être converti, quoi. Mais pour que l'église vous rende service, même si je pense qu'une médiation de l'affectataire sera toujours importante et doit toujours être menée. Enfin, pour que cet usage soit compatible avec la loi de 1905 et sa jurisprudence, tout usage partagé doit avoir au minima l'accord du desservant, ou au maxima, ce qui protège le mieux, c'est une convention signée entre la mairie, le porteur du projet s'il est différent de la mairie, et l'affectataire qui est le diocèse. Tous les exemples que je vous ai montrés là ont tous en commun d'avoir une convention signée, même les exemples les plus audacieux, je pense à la Tour Landry, je pense à Saint-Hilaire de Mortagne, tous ont eu, ou le TNP de l'État national de Caen, c'est une convention régie avec le diocèse aussi, ont tous des conventions signées avec le diocèse. Enfin, et ce sera ma conclusion, hein, il sera un petit peu avant 19h, mais je pense qu'il y a peut-être ce propos va sans doute susciter des questions de la part des uns des autres. Pour moi, le bon usage d'une église, une église qui redevient au centre du village, de reposer sur un trépied. Et ce n'est pas l'un au profit de l'autre ou l'un au remplacement de l'autre, c'est les trois ensemble. C'est que nos églises doivent à la fois transcender, rassembler et servir le bien commun. Et si elle remplit ces trois conditions-là, je pense qu'elle peut jouer vraiment leur rôle de poumon pour une localité. S'occuper du patrimoine religieux est quelque chose de vertueux. D'abord parce que s'occuper du patrimoine et faire vivre le patrimoine, ça crée du lien social. Souvent, il y a une association derrière, on met des gens en lien. Deux, son entretien et sa restauration permet de soutenir une activité économique, locale, artisanale, ou même quand elle fait venir du monde et des visiteurs, ben, ça peut faire vivre une épicerie, un bar ou quelque chose à côté. Ça permet aussi, et ça on l'utilise trop peu en France, de permettre à des chantiers d'insertion, de réinsertion de travailler. Donc on peut leur faire appel. Moi je connais beaucoup d'exemples d'églises qui ont été restaurées ou entretenues, ou qui sont tout simplement entretenues par des chantiers d'insertion et de réinsertion. L'inscription d'une église dans un paysage, c'est Maurice Barrès qui disait que la présence dans une église améliore la qualité de l'air. La présence d'une église dans un paysage améliore la qualité de l'air que je respire, dit-il dans la grande pitié des églises de France. J'adore cette phrase. C'est vrai que c'est devenu un élément tellement identifié de nos paysages et de ce qu'est la France que la présence d'une église s'inscrit dans son environnement, qui lui aussi il faut soigner et protéger. Donc ça participe à la qualité environnementale et ça participe aussi au développement durable parce que en architecture comme en bien de consommation, on n'est pas dans le jetable. Il faut savoir utiliser différemment parfois ou compléter les usages ou les élargir pour que ces bâtiments restent et restent signifiants dans nos communes. Ensuite, ça c'était expérimenté
dans beaucoup d'endroits, c'est que quand vous vous restaurez et que vous faites vivre, vous fédérez. Quand vous démolissez, vous divisez. J'ai connu plusieurs communes qui ont fait le choix de démolir l'église et elles ne sont toujours pas réconciliées au jour d'aujourd'hui, 5, 10, 10 ans après. Enfin, je pense à deux exemples particuliers, notamment. Par contre, je connais beaucoup de communes qui ont ressoudé leurs liens de façon incroyable, parce qu'elles ont organisé des fêtes pour restaurer l'église, parce qu'elles ont créé des chantiers bénévoles pour nettoyer une fois par an. Je pense à une église à Tramcourt, là, dans le Pas-de-Calais notamment, où tout le monde est invité une fois par an à nettoyer l'église. Et là, on voit toutes les résidences secondaires qui viennent là aussi. Et parmi les résidences secondaires dans le Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'Anglais. Et les Anglais viennent participer à la vie du village. Pour eux, c'était un facteur d'insertion. Et je connais ça aussi avec des populations qui sont parfois même immigrées. Je connais des populations, des familles musulmanes, par exemple, qui participent à l'entretien de la chapelle qui est dédiée à Marie. Ça passe près de Roubaix, là, par exemple. J'ai cet exemple-là en tête. Donc, l'entretien du patrimoine permet la cohésion sociale et l'intégration de populations qui sont parfois nouvellement arrivées sur le territoire. Et enfin, c'est important, ce sont des lieux de transmission d'histoire, de culture et de spiritualité. Et je crois que je vais m'arrêter là, puis on va prendre, si vous voulez bien, merci beaucoup. Des questions. Je vais peut-être arrêter le partage. Alors, j'ai peut-être été trop rapide sur certains points, donc je suis ouverte à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans l'espace de discussion, donc en bas de votre écran. Je sais qu'il y a, il y a une question sur l'affectataire. Est-ce le diocèse ou le curé? Un curé peut-il prendre l'initiative d'un usage partagé sans l'accord préalable de son évêque? Il y a Caroline Biencourt qui a répondu, okay, en mettant l'affectateur est bien le curé du lieu, c'est lui qui reçoit les clés de l'église, c'est lui qui juge la compatibilité de l'usage. En revanche, pour les usages partagés sur de plus longue durée, il y a souvent des échanges avec l'évêque au préalable. Voilà. Mais j'imagine que là, ça dépasse peut-être le niveau du curé, ça va peut-être plus être du ressort. Je sais que pour la Tour Landry, le TNP de Caen, et, le TNP, le théâtre de Caen et le centre d'interprétation du vitrail, oui, ça s'est négocié avec le diocèse là. D'accord. On a parlé de convention. Oui. Concrètement, donc oui, c'est ça, c'est que une commune qui aurait un projet ou même une population, une association, etc. Comme vous l'avez dit, doit réunir bien le propriétaire commune si c'est avant 1905. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a eu une précision également d'un des participants. Les églises reconstruites après les guerres mondiales ayant reçu des financements par dommages de guerre sur la propriété communale. Voilà. Oui, parce que il y a eu un cas aussi récemment à Pantin, en région parisienne, où l'église a été déplacée. Donc, l'ancienne église démolie, on a reconstruit une nouvelle église. Donc, ça s'est fait aux frais de la commune parce que c'était en remplacement de l'église qui existait au moment de la séparation de l'église et de l'État. Donc, c'est pareil pour les églises de reconstruction sur la Première ou Seconde Guerre mondiale. Les églises reconstruites ont été faites aux frais des communes et aux frais de l'État. Souvent sur les dommages de guerre, d'ailleurs, parce que ces églises préexistaient en 1905. Oui, c'est ça. Et du coup, donc, pour ces conventions, on réunit bien sûr le propriétaire, donc mairie le plus souvent, et affectataire. Donc souvent, évêché, curé, enfin je sais pas, enfin plutôt évêché du coup sur ce sujet-là, puisqu'il s'agit d'un usage partagé qui est. Oui, ça dépend quand c'est lourd, et puis certains prêtres, donc effectivement affectataires, préfèrent aussi eux, avoir des garanties juridiques, surtout quand ça s'inscrit dans le temps, parce que quand ça s'inscrit dans le temps, souvent dans beaucoup de diocèses, les prêtres sont nommés pour 6 ans, donc il faut que ça puisse perdurer au-delà d'un accord. Mmh. Ça ne peut pas être qu'un accord verbal à ce moment-là. Encadré juridique. Les services juridiques existent dans les diocèses. Autrement, il y a un service juridique au sein de la conférence épiscopale des diocèses qui, lui aussi, est à même de créer ces conventions. D'accord. Oui, c'est ce que nous disait. J'ai plus son nom en tête. Là, j'ai un trou. À la conférence des évêques de France, pendant les journées juridiques du patrimoine.
Est-ce que vous avez son nom, monsieur de Ah Sagazan? bon? Aux journées juridiques du patrimoine. Ah, c'est Anne-Vilaine Hardel, qui est donc Voilà. directrice du service juridique à la Conférence des évêques de Voilà. France. Anne-Violaine Hardel, qui est responsable du service C'est juridique. quelqu'un de très compétent qui a l'habitude Oui, de voilà. ça, Et qui... qui nous disait, bien sûr, on peut aider Bien sûr. à faire des modèles de convention, Mmh. etc. Pierre Brun pose la question, en contrepoint de toutes ces belles ouvertures que vous avez mentionnées, certains développements ne comportent-ils pas un risque de désaffectation fonctionnelle? Bah, c'est la convention qui va le dire, hein. Et puis c'est aussi la responsabilité de l'affectataire de créer cette médiation. C'est-à-dire, moi, je pense que l'accueil dans une église, comme pour les concerts, je trouve que trop souvent, dire, on donne les clés, on laisse le concert se produire, alors chaque concert, normalement, devrait être introduit par un représentant de l'affectataire de la paroisse qui dise, ben voilà, on est heureux de vous accueillir, et si on le fait là, au nom de qui on le fait, quoi, et pourquoi on le fait. Ça, Et puis qui peut rester c'est un présent travail qui pendant le appartient à concert. l'affectataire. Il doit avoir son délégué. Alors, il y a certains, dans certains diocèses, il y a des. Je connais le diocèse de Chartres, je crois, ou je ne sais plus si c'est Chartres ou si c'est Évreux, où il y a un délégué par église, quoi. L'affectataire a nommé un délégué laïque, hein, un habitant de la commune, et c'est lui qui est habilité à dire si un tel ou tel concert peut se tenir en église ou pas, et voilà, qui s'agit d'introduire les événements. Donc Marie Lépine pose la question, existe-t-il des modèles de convention? Donc oui, par exemple, Alors, la conférence des nous en évêques. demandons régulièrement au service juridique de l'épiscopat de nous en fournir au moins un contrat de type, mais chaque contrat est particulier, on comprendra, parce que chaque église C'est est ça. particulière, chaque usage est particulier. Les usages peuvent être temporaires, d'autres peuvent être toute l'année. Certains, on le voit, ont fonction 6 mois de l'année, voilà, d'autres sont en fonction. Après, peut-être que ça Ils sont de effraie peut-être table. certains de se dire, oulala, rédiger une convention, je ne sais pas du tout faire. Donc, peut-être un modèle vraiment Oui, type. il existe des modèles, et Après, puis les services juridiques là-dedans, le disent. Voilà, voilà, se permettre de se lancer. exactement. C'est vraiment pas un problème, et puis il y a toujours un service juridique qui sera là pour vous aider. Très bien. Pourriez-vous nous donner votre présentation du prix Sésame pour la Fondation du patrimoine? Je n'ai pas de présentation en propre, hein, parce que je suis membre du jury, seulement c'est donc initié par la Fondation du patrimoine. Vous trouverez tout sur Internet, en fait, hein, sur ce prix. Je sais que les candidatures sont ouvertes jusqu'en février, je crois. Donc, il s'agit de trouver des bonnes initiatives d'usage partagé de nos églises qui seront récompensées par un jury. Le jury auquel je suis confié se réunira en avril, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais ça participe pleinement de ce que je viens de dire, quoi. D'accord. C'est une question de Madame Biencourt et qui rajoute, De si vous Cambrai. disiez, il existe des modèles de convention mis en place par chaque CDAS des diocèses. Je m'étonne du Church Campus qui doit demander du chauffage, de l'éclairage, des sanitaires. Alors, je ne peux pas répondre précisément. Alors, je sais qu'en Angleterre, par exemple, les églises ont systématiquement équipé leur sacristie de sanitaires pour permettre. Les Anglicans vont parfois plus loin que nous. Il y a des cours d'alphabétisation dans les églises, des services à la population qui sont caritatifs, qui sont beaucoup plus nombreux et plus variés. En Belgique, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais dans beaucoup de sacristies, il existe déjà des sanitaires. Alors, peut-être que cela suffit. Peut-être que près de l'église, il y a une mairie qui peut offrir ses sanitaires. Je ne sais pas comment ça se passe dans les différentes localités, mais bien sûr, oui. Mais ça, il faut l'envisager. Hein. Et peut-être que, oui, c'est à prévoir, en tout cas, des sanitaires dans les églises, enfin, au moins dans les sacristies. Comment la question de la dévolution partielle d'une partie de l'édifice à une activité substantiellement profane s'aménage-t-elle concrètement dans les cas de figure présentés d'une église dont le tabernacle est pourvu? Oui, mais alors là, c'est une conception du Christ qu'il faut nous mesurer, quoi, pleinement. En quoi la présence du Christ, de Jésus dans le tabernacle, gênerait-il une vie profane à côté? La question que je pose, moi, parce qu'elle m'est souvent posée, c'est si la vie des hommes... Si la vie de Dieu intéresse les hommes, pourquoi est-ce que la vie des hommes n'intéresserait pas Dieu? C'est une question que je pose, hein, comme ça. Il ne s'agit pas de faire la fête, il ne s'agit pas de ripailler, enfin, il ne s'agit pas de faire des choses qui seraient contradictoires. Pour moi,
Si je relis le dialogue, les évangiles, le dialogue avec la Samaritaine, par exemple, ce que Jésus dit, il n'y aura plus aucun lieu où on adorera Dieu, Dieu étant au milieu de nous et avec nous. Je vais vous repartager cette image-là. Et vous voyez que dans la vie de nos églises, voilà, voilà, c'est un peu ma réponse. Après le Concile de Trente, qui est pourtant un concile eucharistique, fortement eucharistique, on voit bien que cette vie est compatible et que la présence réelle dans le tabernacle n'empêche pas aux hommes de vivre. Après, qu'est-ce qui s'y passe? Enfin, c'est aux personnes de bien se tenir aussi, quoi. Mais il vaut mieux faire confiance. Voilà. Enfin, je comprends que dans certaines conceptions, parce qu'on vit sur des habitudes de 2 ans où les églises ne sont faites que pour prier et se recueillir, où le silence doit régner. Je sais, on m'a raconté récemment deux jeunes qui ont voulu bien faire, parce qu'une femme qui était rentrée dans une église s'était mise à hurler devant une statue, tout son malheur, son chagrin, et ces jeunes ont cru bien faire en la prenant par les épaules et puis en la mettant dehors. Mais si on ne peut pas interpeller Dieu dans une église, où peut-on le faire, quoi? On a le droit d'être parfois en colère. Ce n'est pas malséant, quelque part. Alors, c'est un exemple un peu bruyant que je parle là, mais vous voyez quoi. Bon, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais en tout cas, c'est la mienne. Et je pense qu'elle est possible. Quand on prend tous les exemples de l'utilisation de nos églises dans leur histoire, on voit bien que largement, ça ne posait pas de problème. Et une autre question, y a-t-il des mesures particulières pour les églises propriétés du diocèse dans le cas d'un usage partagé? Non, parce que là, on est dans un bâtiment privé qui appartient au diocèse, donc le diocèse fixe lui-même ses règles. Donc là, c'est vraiment le curé presque maître chez lui, quoi. Il n'a pas de compte à rendre ni au maire, ni au législateur. Ce qui est amusant, c'est dans l'église de Trélazé, hein, je crois que l'église était diocésaine de mémoire, hein, mais je suis en train de douter tout d'un coup, je relise mon petit livre. Oui, c'est le financement des cultes qui pourrait poser, c'est à contrario, quoi, c'est les personnes hostiles religieusement qui pourraient poser des problèmes quand un équipement municipal ou collectif est mis dans une église qui n'appartient pas à la commune. Mais autrement, non. L'Église, quand elle possède ses églises, fait ce qu'elle veut dans ses églises. Elle n'a pas d'autres règles que les siennes. Alors, on nous partage aussi le site internet www.ledevenirdeséglises.fr. Très bon site, et je vous invite à écouter attentivement l'allocution de Monseigneur Papin, notamment lors de ce colloque. Monseigneur Papin aimait... a émis au cours de ce colloque donc, ce qui s'est passé en octobre 2018, il a cette phrase qui résonne encore chez moi, c'est qu'entre l'affectation stricte, donc, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, et la désaffectation partielle, et la désaffectation, il existe une troisième voie qui est celle des services rendus à la population, qu'une église peut rendre à la population. Quand j'ai parlé devant les sénateurs, bien sûr, c'est posé la question, mais pourquoi ne désaffecte-t-on pas les églises? Et comme ça, une église affectée, le maire peut en faire ce qu'il veut. Parce qu'elle sort de la loi 1905 et elle redevient un bien communal. Ma réponse, moi, était de dire que si on veut que les églises restent accessibles à tous, il faut qu'elles restent affectées au culte. Paradoxalement, c'est leur affectation au culte qui leur permet d'être rendue accessible à tous. Le problème de la désaffectation, c'est que ça devient un bien privé, même s'il est communal. Et que... une église qui a désaffecté peut très bien être privatisée ou revendue ou louée à un entrepreneur, à un marchand de spectacle ou un bar. Enfin, il y a des églises qui sont des bars ou autre chose. Et l'église, c'est accessible à tous. Or, comme je vous l'ai dit, je ne vais peut-être pas insister là-dessus tout à l'heure, l'information de la population est très importante quand on change un usage ou quand on touche à l'église, parce qu'il y a un sentiment très fort de propriété collective de ce bâtiment. C'est vraiment le bâtiment de tous, l'Église. Et on voit bien que quand il se passe des projets de démolition, toute la population se révolte. Là, on n'est pas du tout dans des catégories
de catholiques pratiquants qui s'opposeraient, bien au contraire, et de non-pratiquants qui souhaiteraient l'Église. Pas du tout. Souvent même, j'ai connu des cas de communes où quand on démolissait l'église, on promettait la construction d'un oratoire chauffé et plus confortable aux catholiques pratiquants, et les paroissiens étaient plutôt contents de ce projet-là parce qu'ils répondaient à leurs besoins. Par contre, ceux qui s'opposaient à la démolition de l'église, c'est ceux qui n'y étaient finalement pas les pieds, mais pour qui l'église était un élément de l'identité de la commune, c'est le patrimoine commun de la commune, ils ne voulaient pas qu'on y touche. Et donc, ça peut paraître pour certains paradoxal, mais l'affectation, et les sénateurs, et pourtant j'avais en face de moi un sénateur communiste et une autre sénatrice qui n'était pas, mais le sénateur communiste a tout de suite été d'accord en disant, bien sûr, il faut que l'Église reste affectée au culte. D'ailleurs, c'est ce que dit le rapport, reprend cette idée-là in extenso. Il faut que ces églises restent affectées au culte pour qu'on garantisse qu'elles appartiennent finalement à tous et qu'elles sont accessibles à tous et gratuitement à tous. Du coup, elle nous renseigne également sur le guide de l'élu et son église et sur le colloque de 2018. Très, très bon guide, excellent guide. Sur le devenir des églises qui a eu lieu à Nancy. Exactement. En octobre, le 4 et 5 octobre 2018, ça m'a marqué. Je me souviens de la date. Et là, j'ai un témoignage qui dit « Il faut savoir que beaucoup de curés, diocèses, détestent ce mot, usage partagé. Oui. Ils me disent que c'est impossible, la loi de 1905 l'interdit. » Car la preuve, c'est compliqué. Voilà. Et donc, tous les exemples que je vous ai montrés montrent que c'est possible. Parce qu'ils ont tous reçu soit une convention, soit l'accord de l'affectataire. Donc, qu'on ne dise pas que ce n'est pas possible, bien sûr. Là, ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont en mémoire ce qui s'est vécu durant les 200 dernières années. Et nos églises ont beaucoup plus que 200 ans. Leur histoire est longue, elles ont vécu beaucoup de choses, elles ont rendu de nombreux services. Autrefois, il y avait même le droit d'asile dans les églises, c'est qu'un réfugié pouvait demander l'asile dans une église et la police n'intervenait pas dans les églises. C'est dans les années 90, quand j'étais jeune journaliste, j'ai vécu cela. Il y avait des occupations des églises par des associations et avait pour les sans-papiers qui se référaient ça justement au droit d'asile dans les églises. Et contre la foi... contre l'accord parfois même de l'affectataire qui lui a accepté cette occupation, les forces de police sont entrées dans les églises et parfois violemment. Donc là, le droit d'asile n'était pas reconnu à ce moment-là. Mais dans notre histoire, les églises ont servi à beaucoup de choses, plus qu'on ne croit. Et ces activités, c'est le service du prochain aussi. Il ne faut jamais oublier, c'est ça la dimension. Pour un chrétien, c'est-à-dire c'est participer au bien commun, c'est participer au service du prochain. Et quel service au prochain est-il compatible avec le culte? Si on est chrétien, si on lit bien saint Paul, on s'aperçoit que le culte des frères et le service des frères, c'est l'un des premiers cultes. Excusez-moi, j'ai l'impression de faire un sermon parfois. Mais... Qu'en est-il des églises en ruine si on continue à avoir un culte de temps en temps? Trouver d'autres usages? Ben voilà, c'est une des réponses pour que nos églises restent ouvertes et restent ouvertes. J'aime beaucoup cette phrase du poète Xavier Graal qui disait qu'une église fermée, c'est un cœur qui se refuse. Et c'est un scandale. Enfin, les églises sont faites pour être ouvertes aux passants, à l'errant, à la personne qui... Voilà, à celui qui a besoin, celui qui a soif, celui qui a faim. Voilà, l'église, elle est faite pour ça. Et celui qui a besoin de prier, de se décharger de son fardeau, de tout ça. Les églises, elles sont faites pour être ouvertes, pas fermées. Et une église fermée, c'est un scandale. Du coup, j'ai aussi un témoignage sur le fait qu'en France, les églises sont très souvent équipées de sanitaires. Elles ne sont pas toujours aux normes. Personne à mobilité réduite, mais a priori, voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est un souci. Je sais. Certains arrivent à contourner l'obstacle, même par des rampes, parfois qui sont en bois, amovibles, quand c'est un monument historique. Les solutions existent, après, c'est vrai que... Oui, c'est ça, c'est tout dépend de cette convention, de mettre tout le monde d'accord. Bien sûr, il y a des subventions demandées pour certains aménagements pour les rendre accessibles. Bien sûr. D'autant plus si c'est un monument historique avec la Direction régionale des affaires culturelles, le service... Par voie l'espacement entre les bancs. Je rêve parfois de pouvoir rentrer dans les églises où il y aurait... les deux tiers de bancs et de chaises en moins, quoi, pour qu'on puisse redécouvrir dans une église cette déambulation. Parce que les églises, elles étaient faites aussi comme sanctuaire pour le pèlerinage, quoi, le pèlerinage intérieur. Il y a tout un chemin pascal à redécouvrir dans les églises. Il y a toute
d'une déambulation retrouvée dans l'église qu'on a perdue à cause de ces rangées de bancs et de chaises qui nous empêchent de circuler. Là, pareil, on a un témoignage. L'aménagement peu personnes à mobilité réduite peut être discuté avec la mairie. Bien sûr. Oui, mais les mairies n'ont pas toujours les moyens des aménagements non plus, donc c'est pour ça qu'il faut les aider aussi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Surtout dans les communes très rurales. C'est vrai que le département aussi peut aider sur tout ce qui est patrimoine culturel. Ils aident pas mal aussi, en général, les départements. Enfin, en tout cas. Voilà, c'est un acteur, enfin, faut pas oublier aussi les autres collectivités territoriales, outre la commune, ça peut être aussi des aides précieuses. La région, il y a des associations, des regroupements aussi, ça peut être aussi l'idée de regrouper plusieurs églises pour créer une synergie touristique, faire redécouvrir, enfin, faire des parcours. Oui, parce que ce que je vous ai montré là, ce n'est pas exhaustif. Enfin, il y a sûrement d'autres idées qui peuvent naître. Mais tout ça, ça se passe dans un dialogue. Et je crois que le dialogue et la concertation, c'est voilà. Je crois que quelqu'un le dit, je crois que parmi nous. Je crois que c'est ça. C'est ça. C'est tout dans le dialogue et la négociation avec l'affectataire. Quand ça se passe avec bienveillance de part et d'autre, on trouve des solutions. Alors, pour ceux qui lèvent la main, je ne peux pas vous donner la parole. C'est par écrit que ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas à poser votre question dans l'espace de discussion en bas de votre écran. Vous avez un petit espace pour écrire votre question et je la lirai avec plaisir. On a aussi un message, il faut aussi changer de paradigme. L'Église appartient à tous et pas qu'aux croyants pratiquants des messes. Ils confisquent l'Église en fait, donc l'usage partagé devrait être obligatoire, évident. On est sur quelque chose de plus fort. C'est pas entièrement faux, quoi. Que les catholiques pratiquants qui aiment la liturgie, qui ont besoin des sacrements pour vivre et d'accès à l'Église, ça me paraît naturel, mais ça ne peut pas être que cela. Donc, il faut trouver des nouvelles formes d'invitation à entrer dans les églises. Et on s'aperçoit que plus les personnes rentrent dans l'Église, plus elles ont envie de découvrir les églises. Plus ils ont envie de la sauver, plus ils ont envie de l'entretenir, plus ils ont envie de vivre des choses importantes. Voilà. Mais il faut que la boussole soit haute et que ce soit pour le bien commun. Oui, et bien sûr, il y a aussi un autre commentaire en disant « La Fondation du patrimoine accompagne également avec ses souscriptions et ses mécénats. » Bien sûr. La restauration des églises, etc. Donc, la restauration, puis l'aménagement, on va parler de l'accès au patrimoine. Aménagement, d'accord. J'avais plus entendu parler de restauration, mais aménagement, ouais. Très bien, c'est noté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il est 15, donc on a encore un peu le temps, mais sinon, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur de Sagazan. Moi, je peux en parler tout le temps, mais je ne voudrais pas saouler nos auditeurs, mais... Ce que je remarque, moi, c'est à chaque fois que j'interviens devant des élus ou devant même des groupes, des communes, des paroissiens, tout ça, c'est que quand on parle de ces usages partagés, on allume de l'espoir. C'est que les gens sortent de ces réunions en disant « Mais oui, ça paraît presque évident que bien sûr… Bien sûr, ces églises, elles peuvent servir, quoi. Servir le bien commun, que le service du commun, c'est le service du prochain, que là, on est au cœur du message évangélique. Et donc, oui, je pense qu'il y a un enthousiasme et il y a un moyen de renouer des fils avec la société, de faire sens ensemble, de vivre les uns avec les autres, que ce soit catholique pratiquant ou non pratiquant, ou que ce soit même pas chrétien. Donc, je pense que c'est un lieu de fédération, c'est un lieu de rassemblement. Donc, il faut les églises qu'on fait pour rassembler. Il faut trouver les ecclésias modernes et le service. Voilà. Je pense que vous avez répondu à une question, comment convaincre les récalcitrants. Je pense que vous venez de répondre. Je ne sais pas si vous avez d'autres arguments, mais Oui, alors la malveillance, la sécurité, c'est souvent un obstacle qui est présenté à l'ouverture des églises. Oui. L'idéal, c'est évidemment qu'il y ait toujours quelqu'un dans l'église. Ça empêche la malveillance, ça empêche les bêtises d'adolescents aussi, parfois, et des choses comme ça, de jeunes. Mais quand ce n'est pas possible, il y a des moyens de rendre une église habitée, quoi, soit par un fond sonore, une musique.
Je sais que certains ont mis des fausses caméras ou des vraies caméras, mais bon. Il y a des solutions pour sécuriser les églises. Bon, Oui. ceci dit, quand j'ai voulu tenir des statistiques sur les églises, les actes de malveillance dans les églises, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins que pour les écoles, quoi. Et plus, on brûlait plus souvent des écoles que des églises. Je ne sais pas ce qu'il faut retirer comme enseignement, mais c'est Dans important de le faire. un sens ou dans un autre, c'est pas très rassurant. Non. Je pense qu'il y a plus peut-être de tension dans les écoles avec Peut-être. Des vengeances, peut-être. ouais, des vengeances, des choses comme ça. Pouvez-vous nous éclaircir sur la notion du droit d'asile dans l'Église? Bon, moi, je ne peux pas vous Ben... éclaircir beaucoup parce que c'est une tradition qui était médiévale, donc qui était très, très, très ancienne. Je ne peux pas vous dire quelque chose en plus. J'ai passé travailler le sujet. C'était voilà, c'était un des privilèges accordés à l'Église dans l'Ancien Régime. Je pense que tout ça a été. Les 4 ans ont été rebâtis maintenant. Enfin, le pouvoir récemment nous a montré qu'il n'y a pas de droit des églises, parce que les CRS pouvaient rentrer dans les Oui, on peut églises en rentrer. force. Voilà, oui. Normalement, voilà. Donc, je pense que le pouvoir a voulu montrer que l'Église n'était pas hors la loi. Donc, il n'y avait pas de privilèges dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, on a pas mal de témoignages. Merci beaucoup pour ce web atelier. Très intéressant. Assurant un accueil fréquent dans les églises, je peux assurer que beaucoup de non-catholiques ou de non-croyants y trouvent un espace de spiritualité Mais bien et de sûr. découverte culturelle, comme il est regrettable que tant d'églises restent fermées comme des portes de prison. L'église est avant tout réservée au culte et en priorité, mais il faut les laisser ouvertes et pour cela, il est nécessaire de trouver le bon curseur pour qu'elles soient ouvertes à tous. Et bien Là, on sûr. revient sur les actes de malveillance que vous avez lus. Bien souvent, les municipalités ont d'autres financements à choisir aussi. Oui, il y a des financements, quoi. Si on cherche, c'est vrai qu'on peut trouver. Dans l'Allier, la création d'un circuit touristique des églises romanes et gothiques a conduit à l'ouverture régulière de la plupart d'entre elles, C'est vrai. auparavant fermées. Alors, ça, c'est Madame Moi, Perrin. j'ai un exemple en Gironde, parce que j'accompagne une association en Gironde qui s'appelle AVEC 33. Et AVEC, ça veut dire allons voir l'église d'à côté. Et c'est une association qui a recensé tout le patrimoine religieux de la Gironde et qui a été initiée par un groupe de cyclophiles, quoi, de cyclistes. Donc des personnes qui aimaient se promener à vélo, qui aimaient découvrir tout le département de Gironde à vélo. Et puis, à chaque fois, leur première étape, c'était les églises. Et à force de visiter l'église, ben, ils ont aimé. Et parmi eux, son hymne, des grenouilles de bénitier, des pratiquants, je ne sais même pas, certains ne sont même pas chrétiens. Mais par contre, ils sont des grands défenseurs du patrimoine religieux en Gironde parce que, ben, ils les aiment, parce qu'ils les fréquentent, parce que c'est des buts de promenade dans leur circuit touristique. Et je pense que l'idée de circuit est très intéressante parce que, aussi bien pour la randonnée que pour ces églises, elles offrent des points de repère évidents dans les paysages, quoi. Voilà. Il y a un Et témoignage aussi multiplions les. intéressant qui dit, enfin, je ne sais pas si c'est un témoignage, mais une réflexion, on va dire, qui dit les églises cambriolées ou vandalisées sont plus souvent des églises fermées. C'est sûr que ça ne m'empêche pas, si on veut voler ou Voilà. cambrioler, même si elles sont fermées, ça n'empêche rien. C'est assez juste. Madame Pepke, qui est donc déléguée départementale de patrimoine environnement, vient apporter Voilà. son soutien en disant voir les actes des conciles du Haut Moyen Âge. Sur le droit d'asile, je pense qu'elle revient sur le Oui, droit d'asile, je sur le pense. droit d'asile, oui, je pense. Et excellente initiative à Sennecey-le-Grand dans le 71, un camp Oui. bibliothèque pour petits et grands. Oui, il y a des églises qui ont des chapelles qui aménagent des coins pour les enfants, pour que les enfants puissent s'occuper à colorier ou à faire des choses pendant que les parents visitent l'église ou autre chose à faire à C'est côté. ça. Donc c'est un Ou lieu autre d'accueil pour outil, les des enfants. balades vertes, pédestres, incluant église, Bien lavoir, sûr, etc. exactement, bien sûr. Non, ça peut vraiment, ouais, ça peut vraiment être dans un parcours de randonnée. Écoutez, je crois qu'on a tout vu à peu près. Je regarde, mais je crois qu'on a tout vu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Mais sinon, on va peut-être s'arrêter là. Ah, si, il y a d'autres. Alors, Ah Virginie oui, Wattier, Madame Pepp qui rajoute voilà, accueil voilà. exemplaire dans les églises gothiques de briques allemandes près de la Baltique. Voilà. Ce qui est intéressant pour c'est Virginie Wattier qui me fait penser, c'est l'initiative qui est menée donc, dans la communauté de communes de Mad et Moselle, donc sur son territoire, et que le CAUE de Meurthe-et-Moselle accompagne. Ils ont une réflexion qu'ils mènent sur
C'est une communauté de communes qui rassemble, je crois, une cinquantaine de communes, donc je sais plus, de plus de 50 églises, du coup, et qui réfléchissent sur 20 ans à quel sera l'avenir de leurs églises et de leur patrimoine religieux. Et je trouve que voilà, qu'une communauté de communes prenne le temps d'anticiper, de voir ben, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces monuments, comment on les entretient et comment on les fera vivre à l'avenir, est intéressant. Oui, le témoignage, on l'a aussi recueilli dans la revue, la note dernière. Exactement. Sur un groupement de communes. Et il nous disait que c'était à la suite, tout ça est parti à la suite d'un voyage au Canada de certains conseillers intercommunaux. Et du coup, ça les avait fait beaucoup réfléchir sur le devenir des églises. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, alors oui, sur le webinaire, bien sûr, le replay sera disponible, mais uniquement pour les adhérents, ainsi que PowerPoint, votre PowerPoint. Donc, c'est dans l'espace adhérent. Quand vous adhérez, vous avez un code qui vous est transmis. Et grâce à ce code, vous accédez à tous nos webinaires passés. Voilà. Là, il y a d'autres questions. Mince. Ouais. Alors, un échange avait été fait également avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Ah oui, c'était ça. En Normandie, il existe une association APEPA qui a finalisé un circuit. Bon, top. Et là, une question. Avez-vous connaissance de modèles de financement innovants pour la réhabilitation préalable des églises ? Le modèle de financement innovant, c'est la mutualisation que le département des Yvelines a mis en place pour toutes ses communes rurales. Ça, c'est très innovant. Et voilà. Dans les financements innovants, bah, tout est innovant, parce que moi, je trouve qu'il y a des communes qui n'ont jamais, sans gréver leur budget et sans réclamer de l'argent extérieur, ont réussi à réhabiliter entièrement l'église à travers des chantiers bénévoles, des fêtes, des kermesses à répétition pour recueillir les fonds qui ont fait vivre les artisans locaux. On va dire. Il faut accepter d'avoir le temps devant soi, il faut accepter de travailler par tranche, il ne faut pas tout restaurer tout de suite. Tout ce qui crée du lien, tout ce qui bénéficie à la tradition et tout ce qui rassemble autour de l'église est bon à prendre. Bien sûr, et je pense qu'on attend toujours de l'argent qui tombe de l'État. On a bien vu que, avec la polémique avec Rosine Bachelot, que de moins en moins d'argent tombera de l'État. Donc, il y a des souscriptions publiques avec la Fondation du patrimoine, il y a la sauvegarde de la Française qui est très généreuse et qui distribue plusieurs un ou deux millions d'euros chaque année pour les travaux lourds, donc tout ce qui est charpente et mur. La sauvegarde de l'art français, pour tout ce qui est église du 19e, c'est compliqué. Voilà. C'est plutôt 18e, église inscrite. Mais ils ont aussi d'autres initiatives pour le mobilier aussi, pour les restaurations de tableaux, à travers le plus grand musée de France. Ils ont beaucoup de choses annexes. Donc, il existe des financements. D'ailleurs, moi, sur mon blog de l'Institut Pèlerin du patrimoine, je propose des différentes pistes et adresses où on trouvera ces ressources de financement. Voilà. Mais moi, je suis émerveillé quand une commune, alors je connais des communes qui ont mis 20 ans à restaurer leur église, mais voilà, quand on fait des chantiers bénévoles, quand on fait intervenir des chantiers d'insertion, de réinsertion, quand on crée des fêtes et l'animation, on est gagnant sur tous les plans. Quoi. Non seulement on se retrouve avec une belle église au final, mais en plus on a recréé du lien dans sa commune et dans sa localité. On a des communes qui sont très festives grâce à ça, quoi. Où les gens ont plaisir à vivre et à. Voilà, elles n'ont même pas assez de logements pour accueillir tous ceux qui voudraient vivre chez eux, tellement ils ont développé ce sens de la convivialité, de la fête, parce qu'il a fallu créer ces événements autour de l'église. Mais très bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, monsieur Tsagazan. Oh, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les participants pour vos interactions qui étaient très bien. Écoutez, je vous dis au prochain web atelier, donc le 7 février. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore pour tout. Et puis, longue vie aux églises, hein, qu'elles restent ouvertes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.